Bonjour les chouchous, et voici une nouvelle vidéo des mots du jour. Donc à la séance précédente, on avait vu arrosoir et pelle. Voyons maintenant la première devinette du jour. C'est un verbe qu'on cherche, c'est donc une action qu'on fait, et c'est jeter des graines sur la terre. Quand on jette des graines sur la terre, on fait quoi ? On sème, c'est ça. C'est l'action de semer. Semer. On va l'écrire ensemble. Semer. Semer. S. E. On a le se. Maintenant, on cherche mais. M. E et R. Tu te souviens, E et R, c'est parce que c'est un verbe à l'infinitif. On l'écrit maintenant, je l'écris maintenant en minuscule script. Toi, tu n'as juste à me dire que le nom de la lettre. S, E, M, E et R. On va maintenant l'écrire en cursive. S, E, M, E, R. Semer. Deuxième devinette maintenant. C'est une partie des plantes à fleurs. On la sème ou on la met en terre pour obtenir une autre plante. C'est un nom féminin, ça veut dire qu'on dit une ou la devant. Je répète la devinette. C'est une partie des plantes à fleurs. On la sème ou on la met en terre pour obtenir une autre plante. C'est la graine. Alors, graine est assez compliqué à écrire, mais on va y arriver. Graine, g. Le premier son, c'est g. Et le son g est retransmis par le g. G, rrr, c'est le r. Bravo. Graine. Le gré est le son e. Alors, cette fois-ci, ça pourrait être un e, hein, mais ce sera ae. Aïe, ensemble, ça fait E. Graine, N, c'est le N et le E muet. Graine, si on enlève le E, ça devient grain. Donc sans le E, on change le mot. Graine. Allez, maintenant, en script. Quelle est cette lettre ? G, R, A. I, N, E. Essayons de l'écrire en attaché maintenant en cursive. G, R, A, I, N, E. Graine. Donc les deux mots du jour étaient semer et graine. À demain les chouchous.